J'espère que tout va bien pour vous. On va entamer aujourd'hui la toute dernière case, la case numéro 12 de ce TP mystère qui n'est plus un mystère depuis tellement longtemps. Bienvenue les cocos. C'était le dernier, tu dois être compliqué. Voilà. Voilà. Et on y va. Alors, on commence par du pain. On va bien avoir des masses comparées à d'habitude. En tout cas, j'ai cette petite carte. Quand j'arrive au bout de mon pot. Donc, si elle va plus mal, il n'y en a pas d'autre. Oh, j'ai été réveillée par Jean la Plume, le coq du voisin. Bon, j'ai dormi à peu près 3 heures. Yes. Tantôt, j'irai chez Action. Pour prendre un cadre. Pour le mettre dedans, comme ça, l'image finale, le grand final. Sera avec le diamant bending encadré. Alors il est 8h30 du matin. Quand on sait que je m'endors vers 5h du matin, ça vous donne une idée. C'est la petite nuit que j'ai eue. Mais bon. Pour vers le passé pour vous. Quoi qu'on était déjà le 18, je m'y perds un peu. C'est qu'on est jeudi, ça c'est sûr. Une petite gorgée de la faut savoir que je ne suis pas du matin. Je suis comme un vieil ampli qui met du temps. Un vieil ampli qui met du temps à chauffer. Il paraît qu'il va faire plus chaud aujourd'hui qu'hier. C'est Pilo qui m'a dit. Donc je pense que je vais aller chez Action. C'est tout.
une ouvre à 10 heures. C'est rien que j'en fous. Pour pas être en plein après-midi, dans les grosses chaleurs. Marie-Christine Bell qui m'a mis un petit message sur ma vidéo unboxing qui est parue hier et qui m'a dit que la dame que j'avais pris en double l'intéressait. Ça c'est bien, moi je sais que même s'il n'y a qu'elle, elle ne va pas rester dans mon armoire bêtement. Et Marie-Thérèse m'a dit que non, c'est pas Marie-Thérèse, je crois, c'est même pas Marie-Christine, enfin, une des deux, m'a dit que son mari a vu qu'il vendait aussi des diamond paintings sur les marchés. Me demande si samedi matin on ne prendrait pas le train jusqu'à Namur et qu'on irait voir le marché de Namur, qui est un grand marché. Parce que si je vais aller au marché chez moi, il y a 3 échoppes et je sais qu'il n'y a pas de diamant de Benedict. On dirait, mais t'en as assez, c'est vrai, vous avez raison. Pour le moment, j'en ai assez, mais je voudrais savoir s'ils en vendent sur le marché. Après, tout ça est une question de mode. Quand ça passera de mode, ils n'en auront plus. Voilà, mais je sais quasi fait. Aïe. Donc, ce que je vais faire, c'est continuer. Ben, vous commencez à connaître, continuer à mon aise et de toute façon. Quand vous verrez la suite de la vidéo, je serai déjà allée chez Action. Donc, je vais juste vérifier. Donc, je vais acheter le tableau pour le mettre dedans. Parce que j'en ai encore 2 ici de cette taille-là, mais ils sont tous les deux en bord noir. Je ne voulais pas en bord noir. J'en fais un avec un bord noir. Comme en commentaire sur la vidéo unboxing de GBFKE, on m'a aussi dit que chez Action de temps en temps ils mettaient des diamants de painting avec des diamants spéciaux, dont des AB. Je n'ai jamais eu des AB. Je vérifie si jamais ils ont des espèces de diamants de painting, style mandala avec des diamants spéciaux. J'en prends très bien un pour tester. Pas périssable.
pourquoi tu t'en vas par là. Je vérifie, non c'est tout. Voilà, donc moi je vais continuer de mon côté. Et on se retrouve vers la fin pour terminer les quelques... Oui, la fin c'est des R et des T. Hein. Donc, c'est juste pour plaisir de faire les derniers avec vous. Hey. Il n'y aura pas beaucoup de changements. À tantôt! Et nous voilà pour la toute dernière partie de ce DP mystère. Il me reste quelques petits diamants à mettre, pas grand chose. On va mettre les S. Et je suis allée, comme je vous l'ai dit, chez Action ce matin pour aller prendre le cadre. Donc je ferai, quand j'ai terminé de mettre les petits diamants qui restent, je ferai une petite pause, je le mettrai sous cadre et comme ça, ben, vous aurez l'image finale de ce diamant. Voilà les S. Un petit E. Ça aurait été une chouette expérience. Comme le D. Alors ce soir, il parle d'orage assez fort. Demain, il pleut toute la journée. Demain, Kylian. Donc le 18. Demain, ce sera le 18 juin. Kylian aura ses. Première dose de vaccin. Donc, je ne vais pas garder ces diamants en stock puisque c'est des diamants qui sont super statiques. C'est pas topissime le 2. Il fait lourd, un peu lourd. On transpire. On a beau prendre sa douche, on retranspire tout de suite après. Le major, il ne sait pas où se mettre. Voilà, aujourd'hui, il est là, près de nous. Ah. Ouais, il est juste accouché. Ah, il est mieux en bas sur le carrelage. Mais... Il dort. J'allais me coucher et dormir devant ma porte. Non, peut-être. Voilà, deux. Yeah,
période de saison. Hein. Alors, en passant, donc prendre le. J'ai pris deux quarts. J'ai vérifié. Effectivement, ils ont mis des diamants painting avec des diamants spéciaux. Alors, certains disent AB, c'est pas marqué dessus. Non, c'est fini. Les deux derniers, mais il y en a un, c'est marqué light, donc lumière, et l'autre, je ne sais plus quel terme. C'est en diamants spéciaux, c'est le même prix que les autres. Effectivement, il y en a au cas où j'ai rencontré. Moi, vous me direz quand vous verrez cette vidéo. Bon, voilà, ça c'est terminé. Maintenant, moi je vais faire pause, je vais passer le rouleau, découper, le mettre dans le cadre et je vous le présente sous cadre. A tout de suite. Gouvernement. Voilà. Le TP Fili encadré, je n'ai pas encore mis à la place où j'ai pas encore choisi sa place, je suis ici. Donc j'espère que ce petit exercice vous aura plu. Comme d'habitude, c'est beaucoup plus joli de voir dans l'entièreté et à une certaine distance. Ça c'est pour tout, c'est de l'art pixelisé, alors évidemment plus on se rapproche et moins on voit. Et je trouve que personnellement il donne bien. Et là, on voit bien le phare aussi au fond, on voit bien. Ouais, non, je suis contente. Donc, merci, un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette idée que j'ai eue et qui l'ont fait de bon cœur et avec plaisir. J'ai eu énormément de plaisir à regarder chacune des vidéos, chacune des photos. Et bien, bientôt, prochain défi, c'est celui de Nadège, donc alias Nefera. Et pour l'heure, celui-ci est terminé. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao.